peuple député, mesdames et messieurs les maires adjoints, conseillers municipaux, chers collègues, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, chers amis bossetans. 2011 a été pour nous l'année des défis. Pour d'autres, elle a été celle des délires. Les défis, nous les avons relevés par le travail, une disponibilité sans faille et une force à agir ensemble. Les délires, nous les avons supportés avec indulgence, compassion et autant que faire se peut avec humour. Malgré une conjoncture dont chacun sait, enfin, qu'elle est difficile et qu'elle le sera plus encore demain. Au-delà des grands dossiers largement médiatisés comme la LGV, les logements sociaux, le schéma de coopération intercommunale, la sécurité, le plan local d'urbanisme ou la protection de notre espace, c'est au quotidien plus de 250 000 heures qui ont été consacrées à l'entretien efficace, à l'innovation raisonnable et à l'amélioration cohérente de notre village. Nous tenons nos engagements pour le bien de tous, sans passe-droit réservé à quelques initiés, sans augmenter les taux d'imposition et en diminuant la dette héritée. Qui peut dire que le cadre de vie de notre commune ne s'est pas amélioré ces trois dernières années ? Une économie de proximité qui s'est renforcée, une action sociale plus responsable et une démarche environnementale qui ne soit pas qu'une simple posture partisane. Nous avons su allier authenticité et modernité, caractère et tolérance. Nous sommes à l'ouvrage alors que d'autres parlent beaucoup en faisant peu, cherchant à donner l'impression à nos concitoyens de s'intéresser à eux sans avoir à fournir trop d'efforts. Face à la crise qui nous frappe, il convient jusque dans nos communes d'être capable d'une gouvernance à même d'affronter par la raison le séisme d'une mondialisation incontrôlée dont nous ressentons les premières secousses. Trop longtemps, absente du débat officiel, cette vérité dérange le confort idéologique de quelques théoriciens autoproclamés qui n'ont à offrir pour solution à leur incompétence d'hier que leur irresponsabilité de demain. Au bossé, nous avons anticipé la situation. Notre pays s'est trop longtemps dopé aux drogues de l'assistanat et de l'emprunt. Aujourd'hui, il souffre d'overdose et n'a le choix qu'entre soins palliatifs pour mourir ou traitement de choc pour guérir. Le temps de l'irrationnel doit céder le terrain aux vertus de l'intelligence. L'intérêt général exige d'agir vite, car le temps presse. Il nous appartient de répondre aux questions essentielles et populaires de notre village et non pas aux exigences de quelques microcosmes dont la suffisance n'a d'égal que l'arrogance. Alors que d'autres se complaisent dans le marigot des rancœurs dépassées ou des ambitions obscures, pour nous, être élus du peuple souverain, c'est être responsable d'un mandat qui requiert compétence et efficacité. À travers modestement, je répète, la gestion de notre commune, notre engagement à servir la France, République, une et indivisible, faut-il le rappeler, n'est pas pour nous un slogan,
C'est un état d'esprit, c'est l'effort d'une volonté de ne pas subir. 2012 s'ouvre à nous. La traversée qui nous attend ne sera pas une navigation de plaisance, mais nous avons la capacité à éviter les écueils pour aborder le monde de demain. C'est dans les prochains mois que va se jouer notre avenir pour les futures décennies et les générations qui nous suivent. Ce ne sont pas avec des recettes électorales à base de chloroforme que nous pourrons retrouver nos étoiles au guide de la croissance. À l'illusion, nous préférons l'expérience. Au Bossé, nous avons rétabli la confiance, même s'il est vrai qu'il est parfois difficile d'agir, tant l'égoïsme de certains paraît vouloir se substituer à la solidarité, tant le mensonge cherche à masquer la vérité. Et pourtant, nous devons garder espoir. Nous devons garder l'espoir. C'est grâce au sang-froid et à la volonté de chacun. C'est grâce à notre députée et vice-présidente du Conseil général, Madame Josette Pons, toujours présente à nos côtés, parce que c'est dans le moment où le sens des responsabilités doit s'imposer à la facilité que l'on reconnaît le courage. Merci Josette. C'est grâce aux réformes que nous avons accomplies et que nous continuerons à mettre en œuvre pour diminuer les dépenses publiques que nous pourrons faire face aux difficultés de notre époque et à celles de demain. Dans ces épreuves, nous avons su préserver l'esprit bossétan. Je tiens à rendre un hommage particulier à toutes celles et à tous ceux d'entre vous, bénévoles, professionnels, citoyens, qui contribuent au rayonnement de notre commune. L'année qui nous accueille sera celle de toutes les espérances si nous savons faire preuve de perspicacité, mais aussi de tous les dangers si nous restons immobiles. Nous ne pouvons ignorer le nouveau monde qui nous entoure. La maîtrise de notre destin passe par la voie des réformes et non par celle des émotions fantasques qui ne font qu'ajouter le désordre à la confusion. Chers Bossétanes et chers Bossétans, mon devoir est de faire face et de conduire l'administration communale avec équité et détermination. Vous pouvez être sûr que je n'aurai de cesse, avec l'équipe de municipale à mes côtés, solidaire, d'agir au nom de l'intérêt général, et je le dis bien, du seul intérêt général. J'ai confiance, ensemble, nous suivons le bon chemin. À vous, à ceux qui vous sont chers, je vous adresse tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Vive le Bossé dans une France de liberté, d'égalité et de fraternité. Bonne année 2012, bonne année à vous toutes, bonne année à vous tous. Je passe la parole à Madame Josette Pons. Merci. Merci, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents des différentes associations. Je voudrais saluer les représentants de la gendarmerie, le père David qui est à l'étage, que je viens d'apercevoir, et vous tous, bien sûr, chacun d'entre vous. Alors, c'est le temps des vœux. C'est le temps des vœux, c'est la tradition, c'est la coutume, c'est une habitude. Donc, moi, je suis là, aux côtés de Jean-Claude Richard et de vous tous, pour vous présenter tous mes vœux. Alors, si vous me permettez, je voudrais d'abord souhaiter une très bonne année à Monsieur le maire et à toute l'équipe municipale. Vous souhaitez à tous, mesdames et messieurs, à chacun d'entre vous, chacun à votre niveau, une bonne année 2012.
Et si vous permettez, je voudrais souhaiter aussi une année au Var, au département, à notre département, sachant que le Var, comme tous les autres départements, comme toutes les communes, Jean-Claude, on aura une année 2012 difficile. L'année 2011 n'a pas été facile. 2012 ne sera pas facile, notamment pour nos finances, on est bien tous d'accord. Et s'agissant du Conseil Général, nous allons avoir une baisse de budget, une baisse de subvention, et évidemment, ça sera répercuté sur les communes, dans tous les territoires. Mais nous avons décidé au Conseil Général de toujours, territoire par territoire, commune par commune, de continuer à aider au maximum les communes dans leurs projets d'investissement. Et c'est ce que nous ferons en 2012. Nous continuerons. Notre budget n'est pas encore voté. Nous allons voter dans les jours qui arrivent. Et d'ores et déjà, je puis vous dire que s'agissant de l'aide aux communes, elle sera maintenue sous une autre forme, mais avec le même montant pour toutes les communes du Var et par conséquent celle du Beauce. Donc une très bonne année à notre département. Mais aussi, je voudrais, et ça je crois que beaucoup d'entre vous ici seront d'accord avec nous, souhaiter une très bonne année à la France. Depuis 3 ans, la France, comme tous les pays d'Europe, comme tous les pays du monde, ou pratiquement, je parle surtout des États-Unis par exemple, tous les pays sont en crise. 3 ans de crise. Il faut quand même avouer que c'est la première fois pour la France que nous avons un gouvernement qui, sur les 5 ans de mandat, a 3 ans de crise. C'est la première fois. Donc je pense qu'il faut aussi... Au revoir, monsieur. Il faudrait aussi être tolérant. Mais s'agissant de la France, ce que je voulais simplement dire, sans m'engager dans une conversation politicienne qui, je le comprends, n'a pas de sens ici, qu'il faudrait peut-être regarder la France par rapport aux autres pays, par rapport à la Grèce, par rapport à l'Espagne, par rapport à l'Italie. Et il faut quand même convenir que la France s'en sort un petit peu mieux que les autres. Mais ce n'est pas fini. Le Premier ministre disait hier, nous disait aux parlementaires, nous disait 2011 a été difficile, plein de turbulences. Nous avons fait face à notre manière, avec nos moyens, avec notre force, avec notre persuasion, nous avons fait face. Mais 2012 sera rude, et ça on le sait tous. Donc on n'est pas en train de dire tout va aller bien, pas du tout. On dit que la crise ne sera pas réglée en 2012 et qu'il faudra continuer. Et que peut-être elle sera en 2012 un peu plus sociale. On va avoir peut-être un peu plus de chômeurs. Donc il faudra lutter comme ça, proposer des solutions. Et c'est pour ça que nous avons bien l'intention, avec le président de la République, d'aller jusqu'au bout des réformes et jusqu'au bout de ce mandat. Ceci étant, je souhaite évidemment à la France et avec vous, mesdames et messieurs, à ceux que ça ne fait pas rire, parce que la chose, c'est de la France dont il s'agit. Donc je souhaite une très très bonne année à la France. Merci. Merci Madame la députée. Je vous invite à vous rapprocher, si ce n'est déjà fait, des buffets pour le verre de l'amitié. Merci et encore bonne année.